Méditation du 21 février. Dieu veille constamment. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Luc 12, verset 7. On estime que le nombre de follicules pileux, c'est-à-dire de structures de la peau qui produisent la pilosité sur le corps d'un adulte, est d'environ 5 millions, dont à peine quelques 100 000 se trouvent sur le cuir chevelu. Chaque cheveu de notre tête sort d'une follicule et pousse pendant 3 à 5 ans. Tombe, puis le follicule se repose pendant 3 mois avant de commencer à produire un autre cheveu. Comme vous pouvez le voir, garder la trace du nombre de cheveux que nous avons sur la tête n'est pas du tout facile. En outre, parce que ce nombre varie tout le temps. Le portrait de Dieu dépeint dans le texte d'aujourd'hui et qui affirme qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête, nous informe clairement qu'il a conscience de tout ce qui se passe dans notre vie, depuis ce qui est le plus évident jusqu'à ce qui nous est à nous-mêmes inconnu, et qu'il ne nous oublie jamais. La relation de Dieu avec sa création est si intime et personnelle que même le détail le plus intime ne lui échappe. Il n'y a pas de situation de changement qu'il ne voit pas. En disant qu'il tient le compte des cheveux de notre tête, Jésus nous confirme que le Père ne nous abandonne jamais, qu'il n'est pas un homme irresponsable qui a eu des enfants, qui est parti et qui revient une fois que ceux-ci sont déjà grands. Il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, pour Matthieu 28, verset 20. Il voit notre développement, signale les changements que nous vivons, aussi discrets soient-ils, et nous accompagne à chaque étape de notre vie, y compris dans les désirs que nous traversons dans l'expérience chrétienne. C'est quelque chose que Dieu fait pour toute sa création, du plus simple moineau qui se pose sur une branche aux êtres humains qui sont le couronnement de son œuvre créatrice. Jamais il ne vous dira « Voilà bien longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as changé ?» Parce qu'à tout moment, il veille sur nous. Avoir un tel Dieu doit nous libérer de l'anxiété et de la peur. Même si nous sommes entourés de dangers, nous ne devons pas vivre dans la peur et l'anxiété parce que Dieu est avec nous. Aucun moineau ne tombe sur le sol sans qu'il le sache. Aucun cheveu ne pousse sur votre tête sans qu'il en soit conscient. Il vous connaît intimement et veille tellement sur tout ce qui vous concerne qu'il ne vous oublie pas. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.